Une intro, j'en ai pas. Une outro, j'en ai pas. C'est... Bon. Bon, il y a quoi sur YouTube? Bastu. Oyez, oyez, citoyens! Bonsoir à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, mesdemoiselles, mesdames, mes putes, il est temps d'y aller, c'est parti! Vodka. Ah, des pubs, ah ça, les pubs, hein! Ça, ils y arrivent, YouTube, les pubs, ah ça! T'arrives dans ton putain de rond-point, frère! C'est pas compliqué, c'est pas. Je vais te montrer, tu vas à droite, si tu vas à droite, frère! Pas compliqué, je vais devoir piler parce que ce connard il freine aussi à ma place, c'est une voiture devant et tout! Et j'évite de te rentrer dans le cul, par exemple, tout simplement, tout simplement! Amixem. Clap, bonjour. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo et elle est enfin tournable. Donc je suis stressé. Le mec, il avait une intro. Et il l'utilise plus. Enfin, les mecs, je veux dire, à un moment donné, le mec, ça fait des années, il a la même intro. Et le gars, il l'utilise plus. Clap, bonjour. Je m'en bats les couilles, d'accord? Plagiat, pas plagiat, mes couilles. Tiens. Je crois que je n'ai aucun talent. Ou en tout cas, j'ai pas de talent par rapport aux vrais youtubeurs. Mais tu sais, les youtubeurs, les mecs qui sont payés pour... ça. On est en 2018, et on est encore foutu de se poser la question. Pourquoi lui, il a beaucoup d'abonnés? Pourquoi il n'a pas beaucoup d'abonnés? Déjà, tu te calmes, on s'en bat les couilles, d'accord? Installe-toi à l'aise dans ton fauteuil comme ça, ouvre la braguette, et suce-toi la queue. Pardon. Je fais partie des plus petits youtubeurs du monde. Bah, on peut le dire quand même, si tu regardes à chaque vidéo le nombre de vues que je fais. Quelle vue d'ailleurs, je comprends pas. Alors, pour moi personnellement, faire du YouTube, ça coûte de l'argent. Ah, mais non, ça coûte pas beaucoup. Si, ça coûte de l'argent. Un appareil photo, ça peut coûter cher. En tout cas, une caméra, si tu veux. Putain, appareil photo, caméra, c'est comme pain de chocolat ou chocolatine. Ça va les couilles. De l'éclairage, des softbox, tout ça, ça coûte cher. Enfin, tu vois que moi j'ai pas un truc très performant. C'est fait maison, c'est une lampe avec un calque devant pour diffuser. Coût de l'opération, une dizaine d'euros, la lampe. Et j'en ai une deuxième derrière, pareil. Un ordinateur pour monter les vidéos, ça peut coûter cher. Surtout celui-là. Quand tu fais du YouTube en plus, il faut un petit peu choisir ton domaine. Humoristique, high-tech, automobile. Lâche mémé là! Jugez pas là! Faites attention! Adresse, numéro de téléphone, c'est comme tout, ça se trouve! Comment YouTube référence les youtubeurs? C'est une question qu'on se pose beaucoup aussi. Est-ce que c'est par rapport au nombre de pouces bleus? Est-ce que c'est par rapport à la qualité des commentaires? Dégradant, pas dégradant? Est-ce que c'est par rapport au nombre de vues des vidéos? En fait, ça englobe tout. Le nombre de pouces bleus, la qualité des vidéos, la qualité des commentaires, dégradant ou pas, le nombre de commentaires. Et je vous avais pas fait un fuck, j'aurais voulu vous faire un fuck, je faisais ça directement, c'est bon quoi. Tous ces critères, absolument tous, rentrent en jeu dans le référencement YouTube. Et en l'occurrence, moi il m'en manque un, les vues. Ah, il faut une page Facebook, tout ça. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ah, c'est ça, le contenu intéressant. Notre niveau mental est tellement élevé que ce qui marche, ou en tout cas ce qui marchait à une époque, c'était des trucs complètement débiles. Des vidéos de chat là, tu vois, les vidéos de chat, genre, mettons, tu fais marcher sur la glace et puis il n'arrive pas parce que ça glisse et tout, le mec se casse la gueule. Les gens rigolent, ça fait marrer les gens, on regarde. Je comprends pas bien. À côté, t'as un gars comme moi qui essaierait de te dire un truc sérieux, te dire genre la planète est en danger, il faut faire quelque chose, c'est très 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 urgent. Bah non, on l'écoute pas, c'est pourquoi? On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Enfin, ouais, si la planète elle est en danger, non, par contre, c'est un peu différent. Comment les gros youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui sont-ils devenus gros? En mangeant des McDo? Non, moi je pense plutôt, tu vois, entre nous, hein, tu vois, attends, deux minutes. Non, c'est bon. Je pense qu'ils ont sucé. Regardez s'il n'y avait pas de micro. Parce que avec l'Amérique, on est espionné, les gars. Quand tu fais du YouTube, il faut que tu choisisses un domaine. Moi, j'ai pas pu choisir, je fais dans tous les domaines. Regarde, j'ai même entamé une série sur le monde automobile. Carrette. Et pourquoi? Bah parce que ça me plaît, j'aime bien. Anecdote par rapport à ça,
je connais absolument presque. Allez, on ne peut pas tout connaître non plus. Mais je connais presque toutes les marques de bagnoles. Ah, on sort dans la rue, toutes les bagnoles que je croise, je te dis la marque, le modèle. Et peut-être même le moteur, si j'ai un petit peu l'oreille. Ah, mais tu sais, c'est ça que tu sais pas, c'est que depuis l'époque... Mais je suis mécanicien. Si t'as cru ça, t'es bien con. J'ai toujours eu l'optique, depuis 7 ans, de faire des vidéos qui me plaisent. Pour moi, YouTube, avant, quand j'ai démarré, c'était vraiment quelque chose qui... J'avais envie de refaire comme certains. Et en l'occurrence, vu que j'avais une passion certaine pour tout ce qui était télévision, monde audiovisuel, YouTube s'en rapproche. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas, on va se lancer là-dedans. Et donc avant, bah, je faisais une vidéo parce que j'avais envie de faire une vidéo. J'avais l'envie et je cherchais le sujet après pour faire mes vidéos. Aujourd'hui, je suis plus tellement dans cette optique. J'ai plus l'optique, j'ai une idée, pourquoi pas la faire en vidéo. Donc c'est moins machinal pour moi de faire une vidéo sur quelque chose. Cas typique, cette vidéo, j'ai eu une idée et je me suis dit bah pourquoi pas en parler en vidéo. Parce que Mastu l'a fait. Plagiat. Sauf que moi j'ai moins d'humour que lui et je m'en bats les couilles. Parce que c'est quoi le message de la vidéo? C'est vous dire que aujourd'hui YouTube pompe des gros dards sa mère. Pour garder ces gros youtubeurs, tu vois, il les appelle, il leur propose des contrats, il fait des OP, tout ça, il gagne de l'argent et tout, tu vois, le flouze. Tu vois comment ça marche. Et les petits à côté, on les connaît pas. On sait pas. Ça salit l'image de YouTube, on les laisse se démerder, on les laisse. Même on les délaisse. C'est plus fort que ça, c'est qu'on les délaisse. À ce jour, je suis sur YouTube, mais j'ai, à part me faire striker avec les droits d'auteur, ça, ils savent bien faire. Et encore une fois, c'est très vite fait. Les gros YouTubeurs qui aiment l'argent, les droits d'auteur, hein, ils se sentent pas de la race. Ils peuvent payer, les mecs. Ils sucent des gros dards toute la journée. Qu'est-ce qu'il faut que j'arrête avec les dards Ils s'en foutent. Ils ont de l'argent. Moi, j'ai pas d'argent. Je touche aucun. Je ne touche aucun euro. De YouTube là. On peut dire que je fais ça gratuitement, bénévolement. Puis aujourd'hui, de toute façon, il faut être fou pour se lancer dans YouTube, aujourd'hui en 2018, parce que tout a été fait. Pratiquement tout. Et même des trucs, on les a inventés, c'est complètement débile. Les mecs. Et les gens regardent, c'est ça le pire. En fait, YouTube veut devenir une espèce de télé 3.0. Ils vont pas y arriver avec le contenu qu'il y a là-dessus. Ça n'est que mon avis. Amixem, il avait une intro et une outro. Le clap, bonjour. Et le over, ah, il y avait les deux. Moi, j'ai jamais su trouver une intro et une outro. Jamais. J'ai tout le temps utilisé un truc différent. Bref, si vous voulez continuer à me suivre, si vous me suivez, voilà, j'ai sur la page Facebook, elle est dans la description de toute façon. Abonnez-vous à la page Facebook pour ne rater aucune vidéo. Et si t'en rates une, t'es bien con. Mets un pouce bleu si tu veux que cette vidéo soit mieux référencée sur YouTube. Un commentaire aussi. Pour le bien pas dégradant, un commentaire gentil, genre ouais, t'es beau et tout, t'es censé lui faire sucer la bite. Wow. Et avant d'avoir des problèmes avec tout ce que je viens de dire, bah, je m'en vais. Et si je faisais comme Giscard? Au revoir. J'ai aucune honte à avoir pété. Qu'est-ce que. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, et bah portez-vous mal. Voilà, soyez malade, crevez, putain. Au revoir.